Bonjour à tous, c'est un grand et réel plaisir de vous retrouver, de prendre place à vos côtés pour ce numéro de Intergénération, votre magazine. Alors, de quoi il va s'agir aujourd'hui? Nous sommes parfois observateurs et tristes d'un phénomène qui malheureusement prend de l'ampleur dans nos sociétés. Il s'agit de la dépravation des mœurs où l'intimité est aujourd'hui étalée à la face publique via les réseaux sociaux. Alors nous ne sommes pas ici pour accuser X ou Y, mais c'est plutôt essayer ensemble de réfléchir à déceler les vraies causes de ce phénomène et chercher ensemble les solutions. Alors, avant d'aller retrouver les invités pour le plateau d'échange, nous allons regarder tous ensemble cet élément témoin réalisé ici à Porto Novo et à Cotonou. On regarde. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Puisque hier, nos parents, ils ne s'étaient pas comportés comme ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a le fait que nous voulons confier les gens qui sont à l'extérieur. C'est un premier point d'abord. Et un second point, c'est le manque de confiance en soi, en fait. Les femmes qui sont mariées, qui se laissent nues, qui portent des choses qui n'est même pas important. Même ils laissent les seins ouverts. Ils laissent les seins ouverts. On voit même jusqu'à le nombril des femmes. Ça conduit beaucoup plus à la dépravation des mœurs et des habillements bizarres qu'on voit aujourd'hui. Parce que nous sommes là. D'abord, c'est un travail personnel. Il y a des choses que personne ne peut faire à la place de l'autre. Et d'abord, il faut que chaque personne soit confiant de ce qu'il a et soit fier de sa personne. Étant donné que si la personne est fière de lui, je ne sais pas ce qu'il a prouvé en s'exhibant ou en voulant copier coûte et coûte ce qui vient de l'Occident et autres. Voilà pour ce qui est de la moisson de cet élément. Nous allons retrouver nos invités à l'intérieur. Allons-y. Bonjour, Mylène. Comment vous allez? Alors, vous, c'est Olive Rumpé Awanou. Bonjour, un plaisir de vous retrouver. Vous êtes entrepreneur. Ici à Porto Novo, vous avez une société que vous gérez. Un plaisir d'avoir accepté de faire ce plateau avec nous. Et en face de vous, c'est l'aîné de ce plateau, notre aîné. Vraiment, merci beaucoup pour la disponibilité. Ce n'était pas évident, vu votre agenda assez chargé. Il faut dire que vous êtes juriste de formation et vous êtes la directrice d'un foyer d'accueil de jeunes filles en situation difficile. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés via les réseaux sociaux. Et je m'en vais vous demander tout de suite, à vous, Madame Guidi, quelle est votre analyse de ce phénomène-là auquel nous assistons, auquel les sociétés assistent aujourd'hui? Merci bien, Madame la journaliste. Et la situation qui prévaut actuellement et dans notre vie moderne ou dans notre société nous amène à réfléchir. Nous, parents, adultes, nous sommes confrontés à une réelle question d'intergénération avec nos enfants. Et la façon dont nous avions vécu n'est plus la nouvelle manière de vivre de nos enfants, des jeunes que nous avions en face de nous lorsque
nous travaillons, nous discutons avec ces jeunes. Et cette situation est une situation qui nous interpelle toutefois. Toutefois parce que nous nous posons la question, quand est-ce que les choses ont changé? Pourquoi les choses en sont arrivées là? Et ces 1000 questions que nous posons, et ces 1000 questions nous renvoient une réponse. La réponse, nous la voyons si bien aujourd'hui. Il y a d'abord les réseaux sociaux qui sont là, multiformes, à notre disposition, à la disposition des jeunes, les nouvelles technologies qui sont là, avec les nouveaux types d'appareils que nous utilisons pour communiquer, tels que les Android qui nous projettent sur la face, sur le monde international. D'aujourd'hui, d'ici aujourd'hui, je peux me retrouver en France. Je peux me retrouver dans partout en regardant ce qui se passe ailleurs. Alors que là-bas ou à l'extérieur, nous n'avons pas les mêmes modes d'éducation, les mêmes modes de consommation, les mêmes modes culturels. Et ça fait que celui qui regarde ce qui se passe de l'autre côté, sur l'autre face de l'iceberg, se dit, mais ça, c'est bon, c'est bien facile pour moi. Alors que dans sa réalité socio-culturelle dans laquelle il se retrouve, ce n'est pas la même chose. Et il veut importer ça pour vivre avec dans un monde culturel dans lequel il ne se retrouve pas. Il y a nous-mêmes, les parents, les adultes que nous sommes. On quitte la maison le matin, on va au marché, on va au boulot, on va au travail. Tout le monde se bat et on revient le soir. Entre-temps, nous avions laissé les enfants aujourd'hui, les vacances s'approchent, devant la télé. On touche et toutes sortes et sur Canal, par exemple, les enfants, ils vont sur telle chaîne à telle chaîne et ils peuvent tomber sur tout. Voilà que nous n'avions même pas eu le temps, peut-être même, de coder certaines chaînes. La question, elle est là. Vous ne savez pas avec qui votre enfant est en contact, ce qu'il fait toute la journée parce qu'il n'est pas là, vous n'êtes pas là. Et la troisième chose, on a perdu beaucoup de choses. Vous saviez, avant, moi, j'ai reçu beaucoup de ma grand-mère. N'étant pas au Bénin, le temps que je passe en vacances, ma grand-mère me donnait beaucoup de petites choses que je ne savais pas. Et c'est cette école intergénérationnelle-là qu'il n'y a plus. Les enfants ne sont plus portés pour aller vers une tante ou vers un parent proche, différent même de leurs propres parents. Et c'est ce parent ou cette personne qui doit communiquer la meilleure des choses que le papa, les parents biologiques n'ont pas pu donner. Et qu'ils avertissent les enfants. Donc les enfants savent qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas et qui ne doit pas se faire. Mais aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous nous sommes retrouvés, il y a tellement de déviance que même l'oncle ou je ne sais pas qui, je vais dire une autre personne, peut porter atteinte à l'éducation de l'enfant, soit par même des violations, soit même par des attouchements. Et c'est bien qu'on a tellement peur que les enfants sont confinés dans un même environnement et ils ne prennent que ce qui leur est à leur portée. Alors, je me tourne vers vous qui a représenté les jeunes dans ce temps d'échange. Comment est-ce que vous percevez cela? Est-ce que c'est une fierté pour vous? C'est une fierté pour vous de voir quand vous prenez votre téléphone, puisque qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables. Est-ce que c'est une fierté pour vous de voir s'exposer des filles, des femmes nus parfois? Moi, l'éducation a été très rigoureuse chez moi, avec ma maman. Mais je ne peux pas. Vous voyez, aujourd'hui, quand on essaie de mettre un peu de la rigueur, l'enfant tient à sa tête. Moi, en son temps, je ne pouvais pas tenir à ma tête. Je ne pouvais pas tenir tête. Maman, elle disait carrément, tu n'as que moi. Tu vois un temps de venir, te voir ici. Donc, tu es obligé de m'écouter. Donc, pour moi, c'était ça. Il ne fallait pas faire autre chose que ce que la maman me disait. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de crier un peu sur un enfant,
On voit l'enfant parle de suicide. Ça a quitté où? L'enfant a entendu ce mot-là où? Tout ça là, c'est les réseaux sociaux, tout ce qui vient de l'Occident. Je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière. La question de la dépravation aujourd'hui de nos jeunes, et surtout des filles, est vraiment liée à une forme de modernité et une forme de copie-coller. La jeune fille africaine, en réalité, avant, bien moulée dans sa corpulence physique, avec toutes les rondeurs qu'elle avait, ne s'exposait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? La jeune fille africaine, dans le passé, avec toutes ses rondeurs, toute sa morphologie attirante, était la jeune fille qui cachait tout. Elle nouait son pagne, vous allez voir ses formes, mais elle est très attirante également, mais ne s'exposait pas. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez nos jeunes filles africaines sur les réseaux sociaux, exposées toute la morphologie dans l'habit vestimentaire qu'il faut et s'exposer au vu aussi de tout le monde, on est étonné, nous sommes étonnés. Les mœurs se sont déplacées. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'elle n'exposait pas tout son corps. Mais aujourd'hui, elle affiche à qui veut voir. Et là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les choses ont changé. Les tendances ont évolué. Mais pourquoi on n'a pas pu garder le minimum culturel qu'il nous fallait? Parce que c'est sur cette base-là que la fille était convoitée et était envoyée ou choisissait son prétendant et allait en mariage sous une base des us et de nos coutumes. Mais aujourd'hui, on se vend sur la plateforme, sur les réseaux sociaux. On se vend. Vous comprenez ce que nous voulons dire? Donc, tout ça là, c'est par rapport, c'est à tous les niveaux donnés qu'il faut voir. Alors, Madame Guidi, aujourd'hui, c'est clair que nous sommes tous embarqués, le monde entier, tous les continents ensemble. Et qui fait que ce qui se passe ici à l'instant T, la seconde d'après, est reçu aux quatre coins du monde. On parle de village planétaire. Est-ce que, selon vous, avec votre regard d'aîné, l'Afrique était vraiment préparée à faire face à ce nouveau concept de village planétaire, un peu comme les Occidentaux ont eu à le faire? Nous ne nous étions pas préparés. Nous avions entendu les mots. La mondialisation, la globalisation, mais on n'était pas préparé. On ne savait pas qu'on allait être projeté et sur un village ou un monde planétaire. Et nous voici, nous voilà, sur ce monde, dans ce monde planétaire, où nous découvrons tout. Mais est-ce qu'on pouvait aussi refuser d'accéder à la connaissance? On ne pouvait pas. Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'accéder à la connaissance, de savoir comment des choses se passent ailleurs. Mais dans le même temps, on n'a pas pris le moindre recul pour pouvoir dire qu'est-ce que nous sauvegardons de nous, de chez nous. C'est ça le problème entre l'Afrique aujourd'hui, l'Europe et le monde planétaire. Parce que l'Afrique avait quand même encore ses us et coutumes, ses cultures qu'elle pouvait sauvegarder comme l'Asie. Parce que l'Asie, ça je vous le dis, ils ne sont pas versés comme ça dans le monde planétaire. Certains contrôles, hein, oui, sur les réseaux sociaux. Oui, même les réseaux sociaux, exactement. C'est pas ça. Exactement. Et nous sommes versés et nous pensons que c'est ce qui est bien de là-bas que nous pouvons accepter, tout accepter. Alors qu'il y avait quand même nos choses qui nous restaient et sur lesquelles nous mettons qu'on la met dessus. Olive, elle lui dit que sa maman lui disait que entre toi et moi, il y a quelque chose qui reste et c'est toi, c'est ça que tu dois écouter. Mais aujourd'hui, quand tu es en Europe, l'enfant dit à sa mère, merde, merde. Parce qu'il ne veut pas accepter ce que le parent veut lui transmettre. Pour lui, ce qu'il a à apprendre, c'est ce qu'il veut. Or, ou alors que nous, on avait pour devoir d'accepter un peu encore. Et après, dans l'évolution, dans notre évolution, de faire le discernement entre ce qui nous convient et ce qui nous permet d'évoluer. Vous comprenez? Alors, c'est là le problème. Il faudrait que les acteurs que nous sommes,
que nous sauvegardons ce qui reste. Alors, tout le monde a sa part de responsabilité pour que ça change. Quelle est, selon vous, Olive, celle des jeunes? Parlant des responsabilités de la jeunesse, c'est déjà les vacances. Il y a des jeunes mamans. Ce qu'il faut, c'est d'inscrire des enfants aux ateliers éducatifs. Il faut enseigner à la jeune fille, dès le bas âge, l'estime de soi. La fille n'est pas obligée de se donner à des activités, tout ce qu'on voit aujourd'hui pour avoir de l'argent. Il faut lui enseigner de la valeur, qu'elle doit savoir faire quelque chose. Elle est précieuse. Elle est précieuse. Donc, du coup, il ne faut pas forcer l'enfant à être tout le temps au cahier, mais lui créer des activités génératrices de revenus. Génératrices de revenus, pas forcément que vous êtes dans le besoin et que l'enfant doit aller mettre sur la tête et vendre. Non, pour pouvoir l'occuper, lui apprendre à compter de l'argent, à faire des économies, à savoir tirer de profit de ses activités et aussi pour qu'elle puisse avoir un plus à part les études, savoir faire autre chose. Et ça permet, c'est comme ça, nous on a été éduqués dès le bas âge, on faisait du toffi, pas parce qu'on était dans le besoin, mais il fallait faire ça. Il fallait faire ça pour s'occuper, la fille reste à la maison. Moi, je ne connaissais que l'église, le marché, et puis on reste à la maison pour pouvoir s'occuper de la boutique, tout ça là. Le soir, il faut faire des comptes rendus, des points. Je rappelle aux jeunes filles qui seront femmes demain, elles ne savent peut-être pas encore comment demain serait fait. L'avenir, je leur dirais que l'avenir se prépare dès maintenant. Tout ce qu'on fait, ça rattrape parce qu'elles se dévoilent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On dit que la technologie, il y a une mémoire qui ne s'efface pas. Demain, quand elles seront grandes dames, tout sera dévoilé. Tout sera dévoilé et ça constitue une honte pour non seulement le mari, pour les enfants qui viendront, pour toute la famille. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas empêcher la technologie ou bien les médias de se développer. Mais il faut quand même avoir conscience de tout ce qu'on fait. Merci, Olive. Et vous comprenez, on est en train d'aller tout doucement vers la fin de notre temps d'échange. Je reviens rapidement et vous demander, est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir public où nous faisons déjà... C'est déjà trop, c'est beaucoup ce que nous faisons. Il y a encore des choses à faire. Est-ce que l'État doit encore redoubler d'ardeur, de vigilance en votant des lois ou selon vous, quelles sont les autres actions fortes que le pouvoir public pourrait mener dans ce sens pour recadrer un tout petit peu les choses? Merci, Madame la journaliste. Et nous trouvons aujourd'hui que l'État fait déjà ce qu'il peut, mais doit encore renforcer. L'État peut renforcer encore dans quel dispositif? Le dispositif sportif et culturel. Il faudrait que notre État crée des espaces de jeu, des aires sportives, pour pouvoir permettre aux jeunes de déceler leurs talents culturels et artistiques. Parce que c'est un volet qui est très peu développé au Bénin. Et ça fait que les enfants n'arrivent pas à s'orienter sur cet aspect. En leur temps mort, ils doivent pouvoir déceler en eux ce qu'ils aiment faire. Et en rire. Vous comprenez? Parce que c'est un état d'individualité personnelle que vous mettez, que vous déployez et qu'on vous connaît là-dedans. Même si vous êtes ambassadeur, demain on dit « Ah, mais c'est celui qui faisait le théâtre là !» Parce que c'est ce que vous avez tellement eu à faire avec passion. Avant d'avoir d'autres connaissances et d'avoir d'autres compétences qui vous valorisent dans le temps et dans l'avenir. Donc l'État doit pouvoir mettre un peu, créer un peu ces aires-là, ces espaces culturels, sportifs, pour permettre aux jeunes, en dehors de leur vie ou de leur génération de tête baissée, d'aimer quelque chose avec passion, d'avoir confiance en eux. Le jeune doit avoir confiance en lui-même parce qu'il aime faire telle chose, il sait bien chanter, il sait bien faire de live. Ça, c'est ça. Passion. Vous voyez un peu. Et là, ça pourra permettre aux jeunes
de moins être sur les réseaux sociaux et de se dire, et d'être occupé. Se dire, je vais à telle chose. C'est là où je me déploie plus, le plus. Et en dehors de ça, c'est d'amener les parents à déceler également les hobbies de leurs enfants. Les hobbies de leurs enfants et de les inscrire. Par exemple, les filles, il y a plusieurs camps de jeunes filles, de leadership des filles qui se mettent en place maintenant. Et il faut pouvoir saisir ces opportunités. Dit, ma fille doit pouvoir aller à ces choses-là. Et elle revient. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Et pourquoi pas? Voire même, il y a des creusets où nous mettons aujourd'hui en place des mentors et des mentorés, des coachs et des coachés, pour que la fille apprenne et pour qu'elle ait un exemple, pour qu'elle ait celle qu'elle voit et à qui elle veut ressembler. Vous comprenez? Nous, on avait ces exemples-là. On voulait ressembler à qui on voulait? À Nana Mouskouri, à Mireille Mathieu, à Grâce Adamo. On avait ça. Grâce Adamo, elle était la première femme élevée au rang politique au Bénin. Donc, on avait ces exemples-là. Du coup, il faudrait que nos filles se taquent sur ça. Quand elles nous voient parler, qu'elles aient envie de nous ressembler. Et qu'elles même osent s'approcher, parce qu'on est là pour ça. On est là pour donner, on est là pour transmettre, on est là pour partager ce que nous avions. Et les parents doivent aussi se retrouver dans cette vision de faire développer plusieurs choses, plusieurs talents aux enfants, que de les abandonner à leur propre sort et de les laisser. Voilà un peu ce que je voudrais dire et l'appel que je voulais exhorter tout un acteur ou tous les acteurs qui sont sur la chaîne d'aider les jeunes à se projeter, mais de façon positive. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Edmé Sayuguidi. Je rappelle à nos amis que vous êtes juriste et directrice du foyer des jeunes filles ici à Porto Novo. Merci aussi à Olive Rompin à Wanou. Vous êtes entrepreneur, ça fait plaisir de vous avoir reçu, vous deux, pour ce temps de partage. Alors, de ce pas, comme nous en avons l'habitude dans cette émission, nous nous dirigeons droit vers notre spécialiste pour son petit mot au sujet de la dépravation des mœurs. La dépravation, ce n'est pas un fait qui date, qui est actuel, non, c'est un fait ancien. Mais aujourd'hui, ça prend une autre forme, d'accord? Et donc, cela nous permet de savoir, mais est-ce que ça existait? Oui, ça existait, mais aujourd'hui, les différentes formes que ça prend nous permettent de se poser la question de savoir, mais où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Notre société va devenir quoi aujourd'hui ou demain? Et quand on se pose cette question, c'est que ça interpelle plusieurs acteurs que nous sommes en tant qu'éducateurs, en tant que famille, en tant qu'institution, en tant qu'universitaire, en tant qu'acteurs de l'éducation et dans sa globalité et mieux encore en tant qu'État. Vous savez, c'est tellement important qu'il revient à l'État central de prendre ses responsabilités. D'abord à un niveau micro, c'est-à-dire la famille, il faut que nous essayions de jouer nos rôles en tant que parents dans nos familles respectives, et à quel moment on donne l'outil informatique à l'enfant, à quel moment il a accès au Wi-Fi gratuit qu'on a acheté à la maison parce que nous avons jugé utile qu'il regarde et qu'il soit à la page, à quel moment est-ce que l'enfant a le droit de regarder la télé, à quel âge, ainsi de suite. Donc quand on questionne tous ces éléments, déjà au niveau micro, on se pose déjà, on règle déjà la problématique ou bien on réduit un peu ça. Maintenant, si nous-mêmes nous achetons des téléphones de haut de gamme qui permet à l'enfant d'avoir tout, même sans regarder la télé, il a la télé sur son téléphone, et donc en bougeant, c'est qu'il a tout, ça revient par rapport à notre responsabilité. Est-ce qu'au niveau de l'institution école, est-ce que chaque acteur joue son rôle, histoire de ne pas
donner une totale liberté, alors que c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Le Bénin ne peut pas vivre en autarcie, mais la liberté, il faut que nous essayons de voir est-ce que cette liberté est utile pour nous, à notre société. Qu'est-ce que nous pouvons prendre de ce qui est? Parce que le monde, on est dans un village planétaire. Donc, qu'est-ce que nous pouvons prendre dans ce village planétaire et l'adapter à notre réalité, à nos réalités, histoire de pouvoir construire un être humain béninois qui soit réellement l'émanation de nos valeurs culturelles. Il revient à l'État de faire de la restriction en termes d'accès à ces réseaux sociaux. Je pense que la chose est possible ailleurs. Il va falloir que l'État s'inspire de ce qui se passe ailleurs. Il faut dire également que pour la jeunesse, l'État a un rôle central à jouer. Le chômage donne la possibilité à ces enfants, ils ne sont pas occupés, donc ils ont la possibilité, la latitude de faire ce qu'ils veulent. Si vous avez tout le temps qu'il faut, c'est que vous avez. Si vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de faire tout ça là. Et donc, ce n'est pas tout qu'il faut publier. Et tout ce que vous faites aujourd'hui, demain, vous pouvez renoncer à ce que vous avez fait aujourd'hui, mais demain, ça vous suit. Vous pouvez chercher à avoir de l'emploi et on vous sort vos archives et donc vous passez à côté. Alors que vous êtes bien, vous pouvez apporter une chose très importante à la nation. Moi, j'en ai pour preuve un collègue qui, à travers son Facebook, on lui a refusé une bourse pour faire le DEA et la thèse à l'étranger. On lui a montré, on lui a remis un document de 437 pages qui représentait ses échanges, ainsi de suite, avec des gens qui sont recherchés par les services secrets. Donc, vous voyez, ça peut retourner contre vous sans que vous ne sachiez. Voilà, vous avez compris, c'est ici que prend fin ce numéro de votre magazine Intergénération où on a parlé de la dépravation des mœurs. C'est vrai, tout semble noir, mais il y a encore de l'espoir. Il suffit d'une bonne volonté manifeste des uns et des autres. Et une société ne peut se bâtir qu'en ayant toutes les générations. Et donc, nous allons demander pour notre nation, pour nos sociétés, pour notre culture, que toutes les générations, aussi bien les anciens, les jeunes que les enfants, se tiennent par la main pour faire avancer les choses. Ça a été un plaisir d'avoir été vraiment avec vous, encore une fois. Merci et à la prochaine.